Dans son souci de participer à la sécurité des personnes et de leurs biens, le député national Patrick Munyomo et président de la fondation portant son nom est venu échanger avec le gouverneur du Nord-Kivu sur son projet de ramassage d'armes à Goma et ses environs. Accompagné des membres de sa fondation, l'élu de Goma a présenté à l'autorité provinciale les rapports de ses différentes sensibilisations auprès de plusieurs couches de la population sur ce projet. Karine Zanzu Kasivita a instruit son ministre provincial de l'Intérieur pour déjà accélérer ce dossier afin que cette campagne soit lancée. À l'issue de cette audience, le président de la Fondation Patrick Munyomo s'est dit satisfait car son initiative a le soutien de plusieurs personnalités. Au niveau national, c'est-à-dire au niveau de la présidence du gouvernement, nous avons eu l'aval, nous avons eu le soutien. Et tout le monde a contribué avec sa pierre pour que nous puissions aider le gouverneur des provinces dans sa première priorité, parce que sa première priorité, c'est la sécurisation de la province. Notons que pour cette première phase de la campagne de ramassage d'armes à Goma, le député national Patrick Munyomo, communément appelé les pacificateurs, ainsi que sa fondation, ont disponibilisé 50 000 $ américains. Elle sera ainsi lancée dans les tout prochains jours par le gouverneur Kalinzanzu Kasivita.